Donc, je suis Emmanuel Sonnet, je suis médecin au CHRU de Brest. Je suis dans le service de diabétologie et endocrinologie et je suis aussi le coordinateur médical de la nouvelle structure qui est le Centre de médecine ambulatoire, le CMA. Donc, le CMA, le Centre de médecine ambulatoire, regroupe sur un même site différentes spécialités médicales. Donc c'est historiquement le regroupement de différents hôpitaux de jour qui étaient disséminés dans différents services. Mais on a essayé d'aller au-delà, c'est-à-dire de présenter un plateau qui soit agréable pour le patient, pour l'accompagnant, et d'essayer de développer aussi des activités d'éducation thérapeutique et des activités qui regroupent différentes spécialités, donc pour prendre en charge des patients qui sont atteints de polypathologie, puisque globalement c'est de plus en plus le cas. Le service a ouvert le 2 février 2018. Pour les agents, c'est sûr que cette polyvalence donne un plus à leur métier, puisqu'elles peuvent côtoyer différentes pathologies le même jour et d'une chambre à l'autre, passer d'une spécialité à l'autre. C'est un petit peu un laboratoire quelque part parce que on voit bien qu'on est en train de préparer l'hôpital de demain avec plus d'ambulatoires, certes, plus de polypathologies, de meilleures relations aussi et de coordination avec la médecine libérale. On peut penser à la télémédecine qui pointe le bout de son nez. C'est vraiment un formidable endroit où on peut essayer de mettre en place des nouvelles organisations pour mieux répondre à la demande de nos patients.